Bonjour à toutes et tous, je suis Marie-Lyne Leterre, journaliste pour Madame Figaro. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau talk Women in Motion. Women in Motion, c'est un programme qui a été lancé par Kering pour valoriser les femmes dans le monde des arts et de la culture. Donc aujourd'hui, on est Festival de Cannes pour la 75e édition, mais ce n'est ni une réalisatrice ni une actrice que nous recevons, mais une des grandes figures incontournables de la chanson française, Clara Luciani. Donc Clara, elle a été révélée il y a 4 ans par son single La Grenade et son album La Sainte Victoire, qui lui ont valu donc une victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année. S'en est suivi un second album, Cœur, et une seconde victoire de la musique. Nous sommes ravis vraiment aujourd'hui de l'accueillir pour lui donner la parole dans ce talk Women in Motion. Donc surtout, restez connectés, elle arrive dans quelques minutes, à très vite. Merci. Monsieur. Thank you. Bye. Question, je vais noter vers vous. Oui, maman. Qu'a-t-elle? Une dernière ici, Lara. Lara, une dernière.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce talk Women in Motion par Kering. Alors, je vous demanderai déjà à tous de bien éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Et on va démarrer tout de suite, dans quelques secondes. Donc, Clara, déjà, on vous remercie évidemment d'avoir accepté l'invitation de Women in Motion. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes l'une des figures incontournables de la chanson française depuis 4 ans et la sortie de La Grenade. Vos deux albums, Sainte Victoire, Cœur. Mais déjà, avant de rentrer un peu plus dans ce très joli parcours, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment la musique est entrée dans votre vie ? Alors, c'est drôle, moi, quand on me pose cette question-là, j'arrive pas du tout à dater ça, parce que je crois qu'elle a toujours été vraiment là, dans la mesure où mon papa a toujours joué de la guitare et de la basse, et qu'ils ont toujours, mes parents, écouté beaucoup de musique. Ce qui fait que j'ai aucun souvenir de comment exactement elle a fait son entrée dans ma vie. Je crois que dès ma première respiration, elle m'entourait, quoi. Et vous avez commencé très très jeune à écrire, à composer. Comment c'est venu petit à petit, ou il y a eu un déclic un jour ? Je crois qu'il y a eu deux gros déclics dans ma jeunesse. Le premier, c'est la découverte du film Les Demoiselles de Rochefort, la comédie musicale, parce que ma prof nous emmène au cinéma le voir, et j'ai 9 ans, quelque chose comme ça. Et je rentre à la maison, et en fait, je dis à ma mère que je veux chanter, quoi, que je veux chanter ma vie tout le temps. Et donc ça, c'est le premier déclic, c'est vraiment la découverte de l'univers musical de Michel Legrand et l'univers visuel de Jacques Demy, qui m'ont jamais quitté depuis. Et le deuxième déclic, c'est autour de l'âge de 11 ans, en fait, je fais un vide-grenier, je décide de vendre tous mes jouets, c'est très symbolique, et je m'achète avec la somme que j'ai récoltée, ma première guitare électrique. Voilà, ça, c'est les deux moments où voilà, il y a eu une petite évolution. Et vous êtes autodidacte, ou c'est votre père notamment qui était guitariste, comme vous le disiez, qui vous forme, qui vous sensibilise un petit peu aux mélodies? Comment ça se passe? Alors, j'aurais aimé beaucoup qu'il m'apprenne à jouer, mais mon père a toutes les qualités du monde, sauf peut-être la patience et la pédagogie. Du coup, ça a plus été la débrouille. Je ne me considère pas du tout comme guitariste ou pianiste. C'est vraiment... j'utilise les instruments pour écrire des chansons, mais je joue très mal des instruments, en fait. Mais ça n'a pas trop d'importance pour moi. Ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas du tout d'être virtuose ou quoi que ce soit, c'est d'écrire des chansons. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Finalement, les instruments, c'est juste pour m'accompagner. Et qu'est-ce qui vous nourrit alors, d'abord très jeune, quand vous connaissez à peine la musique, qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire et qu'est-ce qui continue à le nourrir aujourd'hui ? La poésie, beaucoup. Je crois que j'ai écrit avant de composer. J'écrivais des poèmes quand j'avais 12 ans, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne des chansons. Et puis, la vie dans sa plus grande banalité, quoi, finalement. J'aime bien écrire sur le quotidien. Je n'attends pas qu'il se passe des trucs extraordinaires pour les raconter. J'aime bien décrire juste la vie, les sentiments humains et bien évidemment aussi mes expériences par rapport à ma féminité et comment j'ai décidé de la vivre. Et, de, voilà. Et à quel moment est-ce que vous décidez, parce qu'il y a le fait évidemment de commencer à gratter, à écrire quand on est adolescente, et puis passer le cap pour décider d'en faire une carrière, ou enfin un métier en tout cas, comment est-ce que ça se manifeste chez vous, voilà, ce petit déclic? Je crois que ça a commencé quand j'avais 19 ans, et je suis allée voir le groupe La Femme, qui justement se produisait à Cannes. Et à la fin du concert, j'ai parlé avec le leader du groupe et je lui ai dit, écoute, moi aussi, je fais de la musique, enfin, je suis en histoire de l'art, mais je m'ennuie un petit peu à la fac, j'aimerais bien faire autre chose. Et je me rappelle, il m'a donné son mail, son adresse mail. Et je suis montée à Paris avec ma guitare sur le dos et j'avais aucun contact à Paris, vraiment, je connaissais personne. J'avais juste ce mail dans mon téléphone. Et donc, j'ai décidé de faire un petit message en disant, bon, ben voilà, je suis à Paris, si jamais un jour tu as envie qu'on fasse quelque chose.
Et en fait, c'est la femme qui m'a donné vraiment mes premières expériences sérieuses, quoi. C'est grâce à eux que j'ai entendu pour la première fois ma voix dans un micro, dans un casque, dans un studio. Et ça me paraissait très, très professionnel, très, très sérieux. Et à quel... Il y a la femme d'abord, donc l'aventure du collectif, et puis après, donc, en solo. Quel courage il vous a fallu pour vous lancer en solo? Est-ce que ça a été quelque chose de, une décision difficile à prendre? Est-ce que vous étiez au contraire assez confiante? Voilà, vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là? Pas confiance, c'est pas vraiment un mot qui me définit de toute façon, de façon générale dans la vie. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu finalement un espèce de parcours initiatique qui s'est fait de façon très naturelle. J'ai commencé, comme je vous le disais, avec la femme. Après ça, j'ai fondé quelques groupes, des trucs un peu obscurs, parfois des projets de shoegaze. Enfin, je suis passée un peu par mille phases. Et en fait, chacune de ces expériences m'a apporté un petit peu plus de courage pour effectivement me lancer en solo. Et voilà, je crois que tout s'est fait parfaitement pour moi. J'aurais pas pu rêver un meilleur ordre finalement, parce que j'ai commencé avec la femme qui est un collectif. On était vraiment beaucoup sur scène, on était je crois 7 ou 8. Et c'était parfait dans le sens où quand je montais sur scène, je me disais bon, de toute façon il y a une chance sur 8 pour que ce soit moi qu'on regarde ce soir. Donc ça m'arrangeait et c'était très bien comme ça. Et au fur et à mesure, moi j'avais le temps à chaque concert en fait de commencer à appréhender la scène, me dire que peut-être j'avais ma place ici, et voilà, donc tout s'est déroulé comme dans un rêve. Je crois en plus que j'aurais pas eu la personnalité pour vivre un buzz, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de carrières de nos jours qui se créent comme ça, finalement. On met une vidéo sur Internet et puis on devient tout à coup propulsé, superstar de la toile. Moi, au contraire, tout s'est construit petit à petit, quoi. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Mais c'est parfait parce que... je crois que je suis trop... peut-être trop fragile. Je crois que j'aurais très mal vécu le fait du jour au lendemain de sortir de l'anonymat. Ça peut être un peu violent, même si il y a aussi tout un côté, évidemment, glamour et très appréciable dans tout ça. Mais il y a un truc de violent aussi. Et est-ce que c'est toujours aussi violent aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes un peu plus détendue par rapport à ça? Donc confiante et détendue, pareil, c'est pas des mots qui me qualifient trop bien, mais je vis par contre très bien tout ce qui se passe, avec, bon, je dois le dire, pas mal de philosophie. Je prends tout ce qu'on m'offre, j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai d'avoir la carrière que j'ai, et en même temps, je suis tout à fait prête aussi à ce qu'on me retire tout ce que j'ai du jour au lendemain. Je m'y prépare. Et ce n'est pas du tout parce que je suis pessimiste, mais c'est parce que je pense que c'est une réalité qu'on est dans des carrières qui sont pleines de surprises, bonnes et mauvaises. Et je ne veux pas avoir un ascenseur émotionnel trop violent. Donc voilà, ça me permet aussi de ne pas être heureuse au jour le jour de ce que j'ai, de me dire que tout peut m'être retiré soudainement. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que le déclic, quand vous étiez jeune, ça avait été les demoiselles. Quels sont les autres modèles qui, au long de votre parcours, vous ont inspiré, construite Je vous disais que j'avais acheté ma première guitare quand j'avais 11 ans. Je l'ai achetée parce que mes parents avaient un DVD à l'époque, qui était un best-of des meilleurs clips des Pretenders. Et alors, je le regardais en boucle, et puis il y avait cette figure féminine très, très forte, Chrissy Hynde, que je trouvais sensationnelle, magnifique, charismatique, et puis qui avait comme ça une guitare Telecaster rouge. Et voilà, moi, je suis allée chez le coiffeur du village, j'ai montré la photo, j'ai dit, voilà, je veux cette coupe de cheveux, je suis allée acheter la guitare avec l'argent du vide-grenier. Enfin, donc, elle, ça a été vraiment une figure importante. Ensuite, après ça, il y a eu Nico, qui a notamment chanté avec le Velvet Underground, et elle aussi, ça a été une icône très importante dans ma carrière parce que j'avais la voix très, très grave et j'étais complexée par ça. Et un jour, on me fait découvrir Nico qui, elle, a une voix, c'est même plus grave. Voilà. Et je me dis, mais c'est merveilleux, en fait. Il y a plein de belles choses à faire avec ce grain de voix. Et c'est grâce à elle que je commence à accepter ma voix et puis à jouer avec. Voilà.
Le single qui vous a révélé, c'est La Grenade, qui est un hymne féministe, en tout cas qui célèbre la force des femmes. D'où vous est venue l'inspiration pour écrire cette chanson ? Comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est juste des petits événements de la vie qui me font écrire des chansons. Et là, je me souviens que pour le coup, j'étais en tournée avec une ingé son qui était une femme. C'est encore plus rare d'avoir des techniciennes, malheureusement, femmes dans le milieu de la musique. Et on était toutes les deux un peu choquées de voir, en fait, je crois qu'on arrivait dans un endroit, tout le monde se jetait sur nous pour nous montrer comment brancher une pédale, comment allumer son ampli, tout ça. Et j'étais là, mais enfin, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, c'est notre métier, on fait ça aussi bien que vous, peut-être même mieux. Alors, je me rappelle, je suis rentrée un soir en me disant, bon, il faut que je leur écrive une chanson pour leur montrer que voilà, qu'on a autant de force. C'était un peu l'idée à l'origine. Ça vient d'un espèce d'agacement. Voilà. Oui, parce qu'en gros, pour le monde extérieur, la chanteuse, enfin, la femme, c'est la chanteuse, et puis la technique, c'est pour les messieurs. Oui, c'est ça, en fait, quand j'ai commencé à pénétrer le monde de la musique, je me suis rendu compte qu'il y avait encore... les instruments, par exemple, étaient encore genrés. Par exemple, une femme, il était attendu d'elle qu'elle joue des instruments, je ne sais pas, par exemple, le violon, ça, c'est bon, on a le droit de jouer du violon si on est une femme. En revanche, si on est attiré par des instruments comme la batterie ou la guitare électrique, il y a tout de suite un truc où c'est bizarre, ou alors c'est sexualisé, c'est sexy, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Et j'ai été hyper étonnée de ça. Je me suis dit, ah ouais, à l'époque, on était en 2018, je me suis dit, donc en 2018, on en est encore là, quoi. Et c'est vrai que c'est de voir ces petites choses-là qui m'ont donné envie d'écrire là-dessus. Et est-ce que ça vous a conduit aussi à veiller à une forme de parité dans, enfin, en tout cas, les gens avec lesquels vous travaillez, vous essayez de vous entourer de femmes ? Est-ce qu'en tout cas, il y a un choix conscient de ça ? Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas, pas eu besoin de compter, de dire « Ok, il y a 5 garçons, il y a 5 femmes ». Les choses se sont imposées de façon tout à fait naturelle. Et ces femmes merveilleuses qui travaillent avec moi ont été vraiment choisies parce qu'elles étaient les meilleures, quoi, pas parce qu'elles étaient des femmes. Donc c'est parfait. Voilà. Vous évoquiez très rapidement la sexualisation qu'il peut y avoir, notamment d'une femme qui va jouer un instrument, on va dire, elle est sexy avec sa basse. Enfin, bon, caricature. Mais... Non, c'est, malheureusement, c'est... Est-ce que vous en avez, vous, souffert de la sexualisation qui peut aller avec le métier qui est le vôtre, un métier d'image, de scène? Je crois que je l'ai refusé, quelque part, cette sexualisation, dans la mesure où moi, j'ai toujours eu un look très androgyne, tout ça. Je crois que je l'ai refusé. Donc, j'en ai pas souffert. J'ai senti qu'on pouvait l'attendre de moi, mais je tout de suite. Voilà. Votre deuxième album s'appelle Cœur, c'est aussi le titre d'une des chansons qui parle des féminicides. Comment est-ce qu'on trouve le ton juste pour parler d'un sujet aussi délicat et les bons mots? Comment elle est née un peu, cette chanson? Elle est née assez péniblement. C'était un accouchement assez long. Justement parce que le sujet est tellement grave et important que je voulais pas être maladroite, quoi. Et je voulais quand même réussir à poétiser la chose. Donc c'était vraiment complexe. Et il y a eu 1000 versions de cette chanson-là, alors que les autres, pour le coup, sont nées toujours d'un trait. Celle-ci m'a donné vraiment du fil à retordre. Et je suis assez heureuse de sa forme maintenant, parce que je trouve qu'elle a quelque chose d'assez... assez percutant et sans être trop cliché, premier degré, il y a quelque chose qui est un peu comme La Grenade où finalement il y a une espèce de double lecture, quoi. Il faut s'y intéresser, il faut vraiment l'écouter pour comprendre de quoi elle parle. Et, j'aime bien ça, j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs lectures dans les chansons et voilà, je crois qu'elle fonctionne bien, j'espère. Et vous êtes justement aussi marraine de la Maison des Femmes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager sur ces sujets et puis comment il se manifeste justement cet engagement ? Je crois que, enfin je ne veux pas du tout être moraliste, mais je crois que quand on vous tend un micro aussi souvent, à un moment donné il faut utiliser ce temps de parole. On sait en plus qu'en tant que femme on a un temps de parole un peu plus réduit que c'est des hommes, donc j'avais envie de l'utiliser à bon escient, et donc j'ai réfléchi et je me demandais avec quelle association j'allais unir mes forces, et puis en fait
J'ai été frappée, comme vous tous, j'imagine, par les chiffres des féminicides que je voyais publiés chaque jour et qui me hantaient. Et j'ai découvert que la Maison des Femmes de Saint-Denis avait pour projet d'ouvrir une antenne à Marseille. Et étant originaire de Marseille, voilà, on a eu pas mal de discussions. Et puis, elles m'ont fait l'honneur de me proposer effectivement d'être marraine. Et voilà, c'est encore un projet en construction. Elles viennent hier seulement d'avoir les clés de la nouvelle Maison des Femmes de Marseille. Jusqu'à présent, elles étaient dans une petite annexe dans un hôpital à Marseille. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui fait écho à ma musique, à mes chansons, à mes préoccupations principales. Et voilà, le fait aussi que ça se passe dans la ville où j'ai grandi, ça a beaucoup, beaucoup de sens pour moi de pouvoir les aider là-bas, où je ne suis plus en plus. Voilà, non, j'ai beaucoup de chance qu'elles me fassent confiance et qu'elles aient fait appel à moi. Et est-ce que vous croyez justement au pouvoir de l'art, de la musique en particulier, pour changer les mentalités ou en tout cas éveiller quelques consciences ? Moi, je crois que l'art peut tout faire. Je crois que le pouvoir de l'art est sans limite. Moi, je crois que l'art, ça paraît un peu immo, dit comme ça, mais je pense que l'art a sauvé ma vie. Donc j'en suis à ce point-là de me dire, je crois qu'il n'y a rien que la musique ne puisse pas faire. Et j'aime bien l'idée que, par exemple, la Grenade, il y a eu ce refrain très fort qui a été repris dans les manifestations. Le fait que ce refrain ait été scandé, qu'il soit passé comme ça sur les radios, je me dis c'est merveilleux quoi, que j'ai pu avoir comme ça ce temps d'écoute, quoi, ce temps d'écoute sur un sujet aussi important. Vous dites que l'art a changé votre vie. Il a changé évidemment votre parcours, votre carrière, mais est-ce que ça l'a changé intimement aussi ? Est-ce que vous avez raconté avoir été un peu harcelée à l'école du fait de votre grande taille ? Est-ce que c'est l'art aussi qui a fait de vous une combattante, une résiliente ? Bah oui, mais je pense sincèrement. Je ne sais pas comment j'aurais trouvé mon équilibre dans la vie sans les chansons. Voilà. Je crois que c'est plus à prouver à quel point tout ça est thérapeutique, mais moi, à chaque fois qu'un événement malheureux m'arrive, j'ai l'impression d'avoir une espèce de baguette magique et de pouvoir le transformer en chanson. Et c'est pas qu'il arrête complètement du coup de me faire du mal, mais je l'éloigne, quoi. Je le tiens en laisse à partir du moment où il est devenu une chanson. Il y a Viola Davis qui disait avant-hier, elle aussi avoir souffert de discrimination du fait de sa couleur de peau notamment, et elle racontait que en était née une colère, mais une colère très saine qui lui avait permis d'avancer. Est-ce que chez vous aussi il y a eu une colère au moment justement peut-être où vous étiez un petit peu embêtée à cause de votre taille, que vous avez transformée en autre chose ? Bah oui, c'est ça, c'est. C'est de la sorcellerie ou du recyclage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut utiliser des émotions qui semblent sur le papier assez néfastes, comme la colère ou le trac, et en faire un espèce de carburant magique, quoi. Parce que moi, je sais que, par exemple, je suis super, super traquée avant d'aller sur scène. Mais du coup, ça me permet aussi d'être très, très concentrée. Et pareil, la colère, finalement, c'est aussi une matière première pour les chansons, comme la tristesse aussi. Ça fonctionne très bien, quoi. C'est malheureux d'ailleurs, parce que quand je suis très heureuse et très sereine, du coup j'ai l'impression que j'arrive pas à faire de chansons, mais bon, ça c'est un autre problème. Un petit mot sur la sororité, qui est un terme important aujourd'hui, effectivement, à la fois pour la construction des modèles, l'entraide entre les femmes. Ce mot, il a une valeur encore plus forte, j'imagine, pour vous, parce que votre sœur fait aussi de la musique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous alors, ce terme de sororité ? Bah, ça évoque effectivement ma sœur en premier lieu, qui est, comme vous l'avez dit, musicienne aussi, qui est ma meilleure amie, sans qui je ne serais rien. Pour qui vous avez fait une chanson, c'est ouais, d'ailleurs. C'est vrai. Et puis les sœurs qu'on se choisit, évidemment. Les sœurs qu'on se choisit. Et je suis heureuse de voir cette bienveillance entre les femmes qui est de plus en plus réelle.
dans le milieu de la musique, je pense que c'est pareil, dans la mode, tout ça, ou dans le cinéma, je ne sais pas. Je crois qu'on est souvent mis en compétition entre femmes. C'est extrêmement difficile. Mais j'ai l'impression qu'on a toutes pris conscience de ça et qu'on arrive à combattre un petit peu les stigmates qu'on porte finalement de cette mise en compétition permanente, quoi. Je pense qu'on a réussi à comprendre d'où ça venait et du coup c'est beaucoup plus facile de se tenir à la main, quoi. On est à Cannes aujourd'hui, donc Cannes c'est une terre de cinéma. Est-ce que il y a déjà eu une envie chez vous de composer pour l'image, et quelle place vous accordez aussi à l'image dans votre carrière, notamment à travers les clips? J'aimerais beaucoup écrire pour le cinéma, je ne l'ai jamais encore fait. Et l'image, ça a toujours été important, je pense. Quand je vois par exemple David Bowie ou Madonna, pour moi c'est autant des artistes visuels que des musiciens. Je pense qu'aujourd'hui, en plus en 2022, l'image est ultra présente en fait. On est tout le temps pris en photo, on prend tout le temps des photos, et plus que jamais, j'ai l'impression qu'il faut toujours tout soigner. Et c'est pour ça que je fais en sorte que mon univers visuel réponde parfaitement à ma musique, mes chansons, et notamment par les clips, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un clip, ma chanson qui s'appelle Le Reste, qui est clairement inspirée de Jacques Demy, que je tournais à Sanary, pas très loin. Donc voilà. Et comment vous choisissez les réalisateurs avec lesquels vous travaillez pour vos clips? Ça dépend. Celui-là, c'est Alice Rossati qui l'a fait. On avait fait des photos ensemble et j'avais adoré sa créativité, son excentricité, son accent italien. Voilà, j'aimais tout chez elle. Je me suis dit, faisons quelque chose. Et puis le dernier de Amour Toujours, qui a été fait par un couple de réalisateurs qui s'appelle Zit et Léo. C'est parce que j'avais vu un clip qu'ils avaient fait pour November Ultra avec une espèce d'abeille géante que j'avais adorée. Donc voilà, ça dépend. Souvent, c'est juste des clips que je vais voir et je me dis « Ah tiens, ça irait bien pour cette chanson-là. » Voilà. Une dernière question avant de laisser la parole à l'Assemblée. Est-ce que vous avez ressenti des freins parfois dans votre carrière du fait d'être une femme ? Non, mais je pense que c'est parce que je l'ai toujours considéré comme presque un défi. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être un frein, en fait. Et j'ai tout fait pour que ça ne le soit pas, parce que ça m'était intolérable, cette idée-là. Mais comme le fait que je vienne d'une famille très très simple et que j'ai dû travailler... J'ai fait 1000 petits jobs. Pareil, je ne peux pas dire que mon milieu social ait été un frein, parce que je l'ai pris comme un défi. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que je suis une femme et ce n'est pas parce que je viens d'un milieu simple que je vais moins bien réaliser que les autres. Et du coup, je me suis battue peut-être deux fois plus. Par contre, ça, c'est peut-être un fait. Mais par contre, j'ai la chance de pouvoir dire que tout s'est bien passé, quoi. Il y a eu un très bel alignement des planètes pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. On va laisser la parole à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question pour Clara ? Oui, monsieur ? Oui, alors désolé, je vais poser la question. Bonjour Clara. Je vais poser la question en anglais. Je vais essayer en français, mais c'est plutôt que... In a very short period of time, only 4 years, you were able to develop your own DNA in terms of fashion, in terms of, it's like the Clara Luciani fringe, the mixing the masculine and the feminine codes. Was that something you've done naturally or was it intentional? Je peux répondre en français parce que j'ai... Oui, non, bien sûr, je comprends le français, c'est juste... J'ai jamais pensé à ça, c'est marrant. Je m'habille un peu pareil et j'ai la même coupe de cheveux depuis que je suis... toute petite, quoi. J'ai toujours une frange. Dès que j'ai eu des cheveux, j'ai eu une frange. Et du coup, j'ai pas tellement conscientisé ça. Et puis les vêtements, je me rappelle quand j'avais 12 ans, on allait faire les vide-greniers avec mon papa et j'achetais plein de trucs des années 60-70, des vestes d'hommes. J'aimais beaucoup l'idée d'investir un peu à la Patti Smith, tout ça. Donc très vite, j'ai fait ça et j'ai jamais changé de style, en fait. Et je crois pas que je changerai. Je pense pas. Il n'y a pas un travail conscient de l'image. Ah non, non, non. Non, non.
Et puis je crois que je suis pas assez à l'aise avec moi, mon physique, tout ça, pour y penser trop. Si je commence à me dire à quoi est-ce que je ressemble, c'est la fin des haricots. Donc l'idée, c'est vraiment de juste mettre des pièces dans lesquelles je me sens moi et dans lesquelles je me sens bien. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans l'Assemblée? Sinon, on a des questions des réseaux sociaux. Oui, bonjour. Bonjour. On a la chance d'être à Cannes et on va voir le film de Baz Luhrmann sur la vie d'Elvis Presley. On sait que Madonna prépare un biopic sur sa propre vie et qu'elle recherche une actrice pour l'interpréter. Quel est pour vous le biopic le plus réussi sur la vie d'un chanteur ou d'une chanteuse? Oh là là, c'est dur. Ouais. Faut avoir bien révisé, là. C'est hyper dur. J'avais beaucoup aimé celui sur Queen, quand même. C'était quoi, Brand Rhapsody qui s'appelait? Oui, Brand Rhapsody. N'importe quoi. Je suis obsédée par Benjamin Biolay. C'est une chanson de Benjamin Biolay, quand même. N'importe quoi. Bon, on l'embrasse et c'est une preuve de ma fidélité. Oui, exactement. Voilà. Ouais, j'avais bien aimé sur Queen. Voilà. On a deux questions des réseaux sociaux. Ah, mais alors, une dernière question du public. Excusez-moi, je ne vois pas, je ne suis pas... Oui, bonjour Clara. Donc là, on est juste à côté de la mer et je voudrais savoir, vous, en tant qu'actrice, quelle est votre position, votre engagement par rapport à ce sujet d'enjeu sociétal qu'est l'environnement et sa protection aujourd'hui. Ouais. Non, ça, c'est une question importante. C'est marrant que vous disiez ça parce que je me suis souvent demandé, moi, ce que je pouvais faire. Et... comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de m'engager avec la Maison des Femmes et ça me prend déjà beaucoup de temps. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment faire autant dans les autres sujets. Et ça me chagrine beaucoup. Pour tout vous dire, ça c'est un peu un secret, mais je travaille sur une chanson à ce sujet-là. C'est très difficile aussi de trouver les mots sur ça, d'être pertinente. Donc c'est en construction, voilà. Mais sachez en tout cas que, évidemment, c'est un sujet qui me touche et je pense que, comme le fait qu'on se doive tous et toutes d'être féministes aujourd'hui, je pense qu'on devrait évidemment être beaucoup plus concernés par l'écologie de façon générale. Voilà. Merci. Une dernière question, je passe aux réseaux sociaux. Il y a Nathalie sur le Twitter de Kering qui nous demande... s'il est difficile de trouver et d'imposer des femmes dans les équipes qui vous entourent, ce qui est assez proche de ce dont nous parlions tout à l'heure. Mais la réponse est non, en fait. Du coup, moi, ça s'est fait assez naturellement. Par contre, c'est vrai que dans la technique, c'est plus compliqué. Moi, je voulais effectivement des femmes régisseuses, et là c'est vrai qu'il y avait, c'était plus difficile. Mais je sais que justement, mon ancienne régisseuse est en train de former des nouvelles femmes régisseuses et que je crois que c'est un métier qui va bientôt se conjuguer un petit peu plus au féminin. Et sur le compte Instagram de Madame Figaro, il y a Romane qui nous demande quelle est la première actrice qui vous est fascinée. Catherine Deneuve. Dans Les Demoiselles. Et puis suivie ensuite par Anna Karina. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actrices qui vous inspirent? Oui. Virginie Efira, j'aime beaucoup. Je suis assez fan. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Clara, d'avoir été avec nous pour ce talk Kering. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour le suivant demain.